Hey, salut tout le monde les amis, c'est InnovaDiac, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de Datapack Minecraft. Donc je vous propose qu'on y aille tout de suite les amis, c'est parti. Du coup les amis, c'est simple, le mode Nyctocosm me rajoute du coup la dimension du Warden. Et ceci donc, d'après ce que j'ai vu, si on met une potion, enfin une fiole vide et qu'on la laisse à côté, ça fait apparaître une espèce de faux, sauf que moi ça ne fonctionne pas. Du coup on va se donner tout ça pour que je puisse vous montrer. Voilà, donc regardez ce que ça fait. Déjà on en fait apparaître un et on le tue, et regardez, ça fait apparaître des âmes qu'il faut récupérer, voilà, pour pouvoir allumer un portail. Vous allez voir après, c'est super simple. Portail du Warden, au lieu de chercher pendant 3 heures et tout ça, ce qu'il faut faire, c'est simple, il y a une commande, c'est slash locate, ensuite structure, ensuite ancien city. Et là, ça vous donne les coordonnées, donc vous cliquez dessus. Voilà, clique to téléporte. Et ensuite, ça va vous TP à l'endroit où vous voulez aller. Voilà, toutes les bougies sont allumées. Ensuite, il faut se mettre au milieu. Une fois que toutes les bougies sont allumées, on se met au milieu. On fait, on balance une soule, s'allume un portail les amis, voilà. Ensuite il nous faut des soul shards, des echo shards, il nous faut un echo shard. Vous faites dropper l'item et là vous allez voir, ça ouvre le portail du Warden les amis. Et oui, le voici. Ensuite, vous avez juste à aller dedans. Et nous voici dans la dimension du Warden. C'est juste hyper effrayant, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Il nous regarde et tout. Oh, c'est flippant, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Oh là, les tiges et tout, c'est incroyable. Hyper flippant. Oh là 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 là. Et ça, c'est un datapack, les amis. Donc c'est un peu comme un mod, sauf que ça se met directement sur son monde et il n'y a rien besoin d'installer sur le jeu pour faire ça. Et ensuite, il nous faut une Wither Rose. Voilà, ça nous fait ça. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Wow! Oh, il est où? Oh, purée. Et il disparaît. Voilà. Et pour entrer dans votre dimension normale, il vous faut une underpearl. Voilà. Et là, on rentre. Et nous voici dans notre dimension. Regardez, ça nous téléporte et voilà. Bon, là, on est un peu sous terre, mais voilà. Ça fonctionne. On rentre. Et nous voici dans la dimension normale. Bon là on est que sous la flotte, mais vous avez compris, on a réussi à rentrer. Et voilà. Bah du coup les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez d'autres vidéos de présentation de mod, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le lien du modpack sera en description. Bon, le lien, enfin le modpack, le datapack est payant. Donc je vous mettrai le lien du Patreon pour l'acheter si vous le souhaitez. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, bye bye tout le monde. Ciao!